Bien, on a fait un recrutement, je pense, assez judicieux. Les filles à qui on a choisi de faire confiance ont fait un excellent début de saison cette année. Et puis nos Françaises aussi. Sandra, qui est présente aujourd'hui, a fait un très bon championnat de France la semaine dernière en prenant la 3e place. Elles sont motivées, elles sont contentes d'être là, c'est l'essentiel. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Oui, elle est toujours aussi accrue, cette concurrence. Il y a des clubs comme Parthenay qui ont aussi une pléiade d'internationaux. Trival de Gré, aujourd'hui ici, les Moulineaux peuvent s'inviter dans le jeu puisqu'ils ont des duathlètes de formation qui vont être très performantes. Donc voilà, je pense que c'est une course qui est ouverte aujourd'hui.
Yeah, we knew we had a little bit of chasing to do, but Angie did a great job on her own. Hard to go on your own and be chasing someone the whole way. For me and Sarah, it was a bit easier. We could see them. We felt confident that we could reel them in, and it was a great way to win for the team.
relativement confiant. On a le titre obtenu en 2014. On part avec une équipe assez forte, assez homogène, avec principalement Alistair en chef de file. Assez confiant et beaucoup d'espoir pour renouveler la victoire dans l'an passé. Oui, bah, une fois de plus, c'est une grande fierté, surtout avec des événements aussi proches comme les qualifications olympiques, d'avoir Alistair, Javier Gomez bientôt, on a Mario Mola qui complète l'équipe également, Davidos. C'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir bénéficier de l'appui de ces athlètes sur toutes ces années, particulièrement cette année. Oui, bien sûr, c'est toujours satisfaisant de gagner sur la première course, ça nous place idéalement pour le championnat, on n'a plus cette pression, on est obligé de... Enfin voilà, on tient notre rang. Voilà, maintenant la prochaine épreuve dans deux semaines, il faudra faire aussi mieux, aussi bien, pardon. Bah, d'un point de vue national, c'est vrai que avec l'effectif que l'on a, c'est sûr que c'est un gros plus. Voilà, on a quasiment les meilleurs athlètes mondiaux, donc il suffit d'en avoir un ou deux pour vraiment faire la différence. Et sachant que voilà, les objectifs vraiment importants vont arriver avec les championnats d'Europe, la qualification pour Rio, donc tout le monde est en train de monter en puissance. Voilà, quand il n'y a pas de pépins, que ça, l'écurie elle tourne bien, c'est difficile de rivaliser. On trouve les champions olympiques, hommes et femmes, et puis le top 10 du classement international qui sera présent à Rio en 2016. Donc vraiment la crème de la crème ? Oh, la crème de la crème, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. C'est du très haut niveau et c'est aussi un spectacle sportif véritablement fabuleux. Oui, c'est le premier circuit national mondial qui, je crois, atteint le niveau des Coupes du Monde qualificatifs pour les Jeux Olympiques. C'est ce niveau-là et c'est sur 5 étapes en France. C'est, je crois, un Grand Prix qui demeure exceptionnel. Bien évidemment, le triathlon, c'est de 5 à 77 ans pour les jeunes, les moins jeunes, les masters, les féminines. Je crois que le triathlon, c'est une discipline pour tous. Aujourd'hui, plus de 120 000 pratiquants. Et véritablement, c'est un sport que l'on peut pratiquer à tous âges et dans tout lieu. C'est pas, on a toujours l'impression qu'on dit oh, c'est très dur parce qu'il y a trois sports. C'est pas si difficile que ça. Trois sports, c'est trois fois mieux. C'est surtout beaucoup de diversité. On peut nager, on peut courir, on peut pédaler, on peut faire les trois ensemble, les trois séparément. Et c'est vraiment cette multi-activité qui, je crois, est la force du triathlon.